Alors, j'aimerais dire, avant de vous montrer autre chose, j'aimerais dire un Notre Père en latin pour accepter la volonté de Dieu. Elle m'a demandé de dire toujours un Notre Père en latin. On va le dire ensemble. Ceux qui le disent, là, qui le savent, dites-le dans votre cœur, même en regardant une vidéo. Vous allez voir comme les grâces vont entrer. Jésus qui fait les miracles, vous savez. Mais c'est le roi du ciel et de la terre. Et elle doit passer par qui il veut. S'il veut passer par sa mère, c'est bien son affaire. S'il veut passer par sa grand-mère. Et s'il veut passer par d'autres, Sainte-Thérèse, Saint-Antoine et Saint-Joseph, Saint-Joachim, il a le droit de passer par qui il veut. Essayez de lire aussi des livres de saints. Qu'est-ce que les saints faisaient? Même des livres des anges. Qu'est-ce que les anges faisaient? Les neuf cœurs d'anges. Ils sont pour quelque chose, les archanges aussi. Ils doivent nous protéger pour toutes sortes de choses. Essayez de lire des livres de saints. Toutes sortes de choses, ça nous prépare à la sainteté. Alors, on va dire un pater. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.